Good morgen, allez, Iden les Sisres aujourd'hui, le Nishmat, Dov, le Niudit, Aviatar, Amram, Ben Chedva, et Moshe, Ben Yaakov, Tarab, Akohen. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, contre les 5 unités éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perek Aleph, Mishnah, Vav, Bet Shamay, Omrim, En Notnin, Unin, Shel Pishtan, Neto, Chatanur, Ela Kedesh, Yavilo, Mibod Yom, Velo, Eta Tzemen, Allah, Yora, Ela Kedesh, Yiklot, Aïn, Obet Hilel, Matirin. Bet Shamay Omrim, En Porsin, Metsudot Chaya, Veofot, Vedagim, Ela Kedesh, Itzodum, Mibod Yom, Obet Hilel, Matirin. Deux nouvelles discussions entre Bet Shamay et Bet Hilel, selon le même principe que la Mishnah d'hier, à propos de Shevitat Kelim. On va tout réexpliquer, mais d'abord on traduit toute la Mishnah. Bet Shamay Omrim, En Notnin, Bet Shamay enseigne, En Notnin, Unin, Shel Pishtan, on ne mettra pas des pelotes de lin. Les torts à tanour au four. Plus précisément, ce n'est pas exactement des pelotes, en fait. Le bartender, il explique. On parle du pishtan menupat, le lin qui a été cardé, je crois que c'est le bon mot en français. La graine de lin, lorsqu'elle pousse, on la prend, on l'ouvre. On a au début une fibre très épaisse, un fil très épais, en fait. Et pour fabriquer le lin, ben, il faut on le frappe, ça s'appelle le niputz. Vous voyez, quand on achète des tzitzit, il y en a qui proposent, est-ce que vous l'achetez avec niputz lishma? C'est les napettes, je crois que ça s'appelle cardé. Cardé, c'est spécialement avec la laine, je ne suis pas sûr. C'est qu'en tout cas, on éclate en fait ce gros fil pour en faire des petites fibres. Et après, ces fibres, on va les tisser pour en faire des fils fins. Qu'ensuite, on va relier, on va les doubler, on va les tripler. Et puis, donc, pour les blanchir, en fait, une fois qu'on a fini de défiler ces fibres, eh bien, c'est pas assez clair le procédé pour les blanchir, en tout cas on les met au four pour les blanchir. De Tosfot Yeshanim dans la Gemara, c'est plus machma. Donc en fait, une fois qu'on les met à tremper dans un certain bain pour les laver, alors on les repasse au four ensuite un peu. Je n'ai pas exactement compris comment il est le procédé, peu importe. Il y a ici un interdit soit de Tsovea, de faire blanchir quelque chose, ou bien peut-être de Mechabes ou de faire cuire. D'accord, peu importe, il y a un interdit en cela à faire cette action pendant Shabbat. Et là, on est encore avant Shabbat, sauf que l'action va se faire pendant le Shabbat, comme on l'expliquait tout de suite. Et la Mishnah nous précise que Bet Shammai nous permet de faire ça que si elle a kedeshia vilum ibodium, uniquement s'ils auront le temps de se blanchir ou de faire monter assez de chaleur en journée, dans la journée du vendredi. C'est-à-dire, j'ai donc ces pelotes de lin à mettre au four pour les blanchir, disons. Et puis, et maintenant, la question elle est-ce que je peux les mettre avant l'entrée de Shabbat, et puis je laisse le four travailler pendant Shabbat? Ou est-ce que j'ai un interdit pendant Shabbat de Shivitat Kelim, que mon four va faire une Melacha Asura? Comme ce qu'on va rappeler, on a déjà pris hier, c'est le principe de la Shivitat Kelim, d'accord? Même selon le même principe encore, velo et atsemer la yora, et on ne mettra pas non plus de la laine dans un chaudron pour le faire teindre, où il y a dedans des ingrédients, des colorants en fait, et on met la laine dedans, et puis il faut la laisser sur le feu, à petit feu, pendant longtemps, comme ça, ça macère, et puis ça finit par prendre à chiclot, et la kede chiclot aïn, jusqu'à que la couleur va se fixer. Jusqu'à que la couleur se fixe, ça prend du temps. Bet Shammai nous dit, ben, tu le fais ça suffisamment tôt, depuis le jeudi ou le vendredi, suffisamment pour que, avant l'entrée de Shabbat, la couleur ait fini de se fixer sur le vêtement. Parce que tu n'auras pas le droit pendant Shabbat de faire en sorte que la couleur va continuer à se fixer sur ta laine. Et là, qu'était chez Iklotain, jusqu'à que ça va se. Littéralement, l'Iklot, c'est capter. Jusqu'à qu'elle va se fixer à Aïn, l'apparence, le marais. D'accord? Ou Bethilel, Matirin et Bethilel permet. Autre discussion, après on va refaire de l'ordre, d'accord? On va rappeler un peu les fondements de la Mishnah et de la discussion. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai enseigne encore, nouveau cas de figure. En porsin metsudot chaya veofot vedagim, on ne tendra pas de piège pour des animaux. Chaya, c'est des animaux sauvages. Ofot, c'est pour des oiseaux. Vedagim, ou pour des poissons. On n'a pas le droit de mettre une poisson, selon Bet Shammai, on n'a pas le droit de mettre un piège. Donc pour tous ces animaux, depuis le vendredi, uniquement, et la kedeshi tsodumi bodium, suffisamment pour que ce soit certain que tu vas réussir à attraper un animal le vendredi et pas le Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat, en fait.
D'accord? On parle d'un endroit où il y a, c'est sûr qu'il y a des animaux sauvages, c'est sûr qu'il y en a qui va se faire attraper au piège, et tu ne pourras le faire que suffisamment tôt dans la journée de vendredi pour que ce soit certain que l'animal va se faire attraper avant le Shabbat. Ou Beth Hillel Matirin, tandis que Beth Hillel nous permettent de le faire, de tendre ce piège même juste avant l'entrée de Shabbat, et puis pendant Shabbat, l'animal va se faire piéger. On refait un petit peu d'ordre d'abord sur la base de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est le même principe qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. La Torah elle nous dit, dans les Aseret HaDibrot, dans les 10 commandements, Lotase kol mancha ata, ubincha, ubitecha, beavdecha, vamatra, ohemtecha. Tu ne feras pas de travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton animal. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas le droit de faire un travail à Shabbat avec mon animal. Ça s'appelle, dans le chasse, vous le verrez, ça s'appelle lave des mechamer, le lave de mechamer. Mechamer achar behemto, c'est utiliser son chamor pour faire une avera. Et donc, utiliser son animal pour faire une melacha à Shabbat, c'est interdit. D'accord? J'ai pas le droit de transporter avec mon animal, j'ai pas le droit de faire toutes sortes de choses avec. D'accord? Maintenant, ça c'est pour l'animal. Si je dresse un chien pour m'allumer la lumière Shabbat, j'ai pas le droit de le faire. Et l'animal il saute sur le bouton et il appuie. C'est interdit. Je fais ce que j'ai pas le droit de faire un travail Shabbat avec un animal. Maintenant, avec les objets, les ustensiles, est-ce qu'il y a un interdit de faire en sorte que ton ustensile ne fasse pas de melacha pendant Shabbat? Beth Shammai pense que oui, Beth Hillel pense que non. Selon Beth Shammai, il voit aucune différence concrète. Si la Torah m'interdit de faire avec mon animal, il ne s'agit pas ici d'un homme libre, il ne s'agit pas ici d'un juif, il n'a pas de neshama, et la main, la Torah m'a dit non, Shvita, Shabbat, il y a Shvita, tout le monde est chauvette. On chôme tous, et bien dans ce cas-là, même les objets, les ustensiles, tu n'auras pas le droit de faire travailler toutes sortes d'ustensiles, tu n'auras pas le droit d'enclencher une machine à laver avant Shabbat, pour qu'elle tourne pendant Shabbat, c'est interdit Minatora selon Beth Shammai. Pourquoi? Parce que laver, c'est interdit pendant le Shabbat. Faire en sorte que ton bien va laver, pendant le Shabbat, ce sera interdit. D'accord? C'est le principe. Selon Beth Hillel, il n'y a pas dans toutes ces actions d'interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle interdit pour les êtres vivants de faire un travail, mais pas pour ce qui est inerte, pas pour les ustensiles. C'est-à-dire pour ce qui est pour les êtres vivants, d'accord? Pour les animaux, mais pas pour les ustensiles. Il n'y a pas d'interdit. Entre parenthèses, pour la machine à laver que j'évoquais, il y aura quand même un interdit mais des rabananes à cause de ma chemise à colle, qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose qui fait du bruit pendant le Shabbat, de peur qu'on va nous soupçonner, c'est un autre problème. Mais par rapport à la Torah, il n'y a plus d'interdit. On a vu dans la Mishnah précédente, on avait vu un premier cas de mettre à tremper, de faire en sorte que de mélanger de l'eau avec toutes sortes d'objets ou collants qui vont fabriquer une pâte. C'est l'histoire de Enchorin Dio Samameni Bekarchini. Et maintenant, dans notre Mishnah, on rencontre maintenant encore, il y a en fait trois familles, trois fois la discussion. Il y a des raisons pourquoi, peut-être qu'on va évoquer un petit mot après. Il y a tout d'abord, la Mishnah précédente, c'était l'interdit de faire en sorte qu'il va y avoir une licha, pétrir pendant Shabbat, c'est-à-dire le fait qu'on mélange les ingrédients et puis tout seul, ils vont macérer jusqu'à ce qu'on fabrique une pâte. Dans notre Mishnah maintenant, on découvre un interdit de faire, allez, on va dire colorer, d'accord, blanchir, ou bien coloré, c'est un deuxième interdit. Et un troisième interdit, c'est l'histoire avec les pièges, pour que, et on n'a pas le droit de tzad, l'interdit de tzad, c'est une melacha pendant Shabbat, tzad, c'est attraper au piège. On n'a pas le droit d'attraper un animal qui était libre, on l'a maintenant, on l'a attrapé, on n'a pas le droit de faire ça, on est en interdit de tzad, même l'enfermer dans une pièce, même, on a un certain problème, si un animal, peu importe, ça peut être un cafard à la maison, puis on voulait mettre un verre dessus, on a transgressé l'interdit de Tzad. On aura l'occasion de découvrir ce qu'est un interdit de Roïda, de Rabanan, je dirai tout ça, bien évidemment, on vient de commencer Shabbat, on aura l'occasion de découvrir tout ça ensuite. Maintenant, pourquoi... non, une précision d'abord, tout d'abord. Avant de préciser pourquoi il a fallu trois cas de figure, tout d'abord, il y a une précision très importante à propos de... on va prendre le cas, par exemple, on a les deux premiers cas de la Mishnah, qui sont le cas où on met à tremper le... pishtan, le lin, dans le four, on le met dans le four pour qu'il se blanchisse, ou il y a l'autre interdit aussi de mettre la laine dans le chaudron avec les colorants pour que la couleur se fixe dessus. Précision super importante sur ça. C'est vrai quand même encore à notre époque. Il y a quand même, la Mishnah Lagma précise que ce n'est permis de laisser la laine dans le chaudron qu'à deux conditions.
d'une part, que le chaudron ne soit plus sur le feu, mais que tu l'aies enlevé du feu, c'est juste encore très chaud, ça continue, le travail continue à se faire, mais plus sur le feu. Pourquoi? Shema yechate bagechalim, de peur qu'il va attiser le feu. C'est des notions qu'on verra plus tard longuement. On est concerné encore énormément par ces halakhot aujourd'hui, que lorsqu'on veut laisser quelque chose sur un feu à Shabbat, il faut nécessairement qu'il n'y ait pas la possibilité d'augmenter le feu. De peur, Shema yechate bagechalim, de peur qu'il va attiser le feu. À l'époque, c'était super fréquent, même à notre époque encore en fait. N'importe quel quelqu'un qui met à cuire quelque chose, sans arrêt, il s'approche, il voit ce que ça cuit assez ou pas, il augmente ou il baisse le feu. On ne veut pas que tu fasses à Shabbat de ce fait. Même lorsqu'on va te permettre de mettre un aliment à finir de cuire sur une plaque pendant Shabbat, par exemple, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas de possibilité d'augmenter le feu. D'où la discussion, après, est-ce qu'il faut couvrir la plaque ou pas? C'est par là que ça part. Parce que c'est pas l'habitude de faire cuire sur une plaque de cuisson la plaque du Shabbat. Mais en tout cas, celui qui va, c'est fréquent en Israël, il y en a qui le font beaucoup, ils ont la plaque de gaz, ils rajoutent sur ça une plaque de fer, eh bien, ils doivent nécessairement retirer les boutons, parce qu'on n'a pas le droit de la possibilité d'augmenter le feu pendant Shabbat ou de le baisser. Ça, c'était un. Ah, et maintenant, même lorsque tu as retiré la plaque du la casserole du feu, malgré tout, il faut encore que que le chaudron il soit bien fermé et bloqué. Impossibilité de lever le couvercle directement. Pour quelle raison? De peur que tu vas lever le couvercle et tu vas mettre un petit coup de cuillère dedans. Et lorsque tu vas mettre un coup de cuillère, sache que tu peux transgresser l'interdit de Mégis. C'est encore une forme d'un interdit de Bichoul pendant Shabbat. Imaginez, vous avez un plat que vous avez retiré du feu Shabbat. Il est à moitié cuit, mais pas bien cuit. Vous voulez mettre un petit coup de cuillère pour que ce qui est en haut, qui n'est pas assez cuit, il va rentrer plus en dessous pour qu'il cuit plus. Vous êtes en train de transgresser l'interdit de Bichoul. L'interdit de Mégis, c'est écrit ici. Et donc, c'est pour ça que le Barthénois nous rapporte ces deux conditions-là. Je te permets la laine dans le chaudron, que si, d'une part, ce n'est plus sur le feu, donc il n'y a plus de risque que tu vas attiser le feu. Et deuxièmement, que la casserole, elle est bien fermée avec du tite, c'est-à-dire il bloquait les ouvertures avec, je n'ai pas compris, une sorte de terre, de ciment, je n'ai pas compris comment c'était exactement, mais en tout cas, il bloquait bien de manière à ce que tu ne vas pas machinalement ouvrir et mettre un petit coup de cuillère. C'est compliqué à ouvrir, donc d'ici que tu vas commencer à ouvrir, tu vas te rappeler que c'est Shabbat. Ok? La nécessité maintenant. Est-ce que j'ai d'abord fini? Oui, j'ai fini. Donc maintenant, la nécessité d'avoir trois cas de figure dans la Mishnah, c'est essentiellement par rapport à Beth Hillel, c'est-à-dire selon Beth Shammai, c'est sûr, tes ustensiles n'ont pas le droit de transgresser l'interdit. Non, j'ai oublié un point très important. Avant de le préciser, je l'avais promis déjà depuis hier déjà. Question maintenant technique. Après Beth Shammai, alors quoi? Comment on peut allumer des nérotes pendant Shabbat? Vous vous rendez compte? J'ai ma fiole qui est en train de brûler du feu pendant Shabbat. Je transgresse l'interdit de Jivitat Kelim. Comment dans ce cas-là, je peux laisser aussi une casserole qui va finir de cuire, par exemple, pendant Shabbat? Ce serait aussi interdit. Et la réponse, elle est qu'en théorie, oui, mais concrètement, non. Pourquoi? Parce que Beth Shammai, selon Beth Shammai, soit tacitement, soit il faut explicitement le faire, peu importe. Mais tacitement, au moins, puisque tu n'as pas le droit d'avoir cette fiole qui va brûler pendant Shabbat, alors tu es mafkirota. Les hafkir, ça veut dire tu la détaches de ta propriété, tu te déconnectes tu retires ta propriété de cet objet. Dans ce cas-là, il peut l'interdire. J'ai le droit d'allumer je prends un charbon même, je l'allume et je le jette dehors dans la rue, c'est plus le mien. Il n'a plus d'interdit à brûler pendant Shabbat parce que c'est plus le mien. Selon ce principe, d'après Beth Shammai, eh ben, c'est un grand chidouche. Amusez-vous à rentrer chez Beth Shammai pour lui piquer sa casserole qui cuit, quoi. Parce qu'il a été mafkir sa casserole pour pouvoir la laisser finir de cuire. Il a supprimé sa propriété. De la casserole, peut-être pas de l'aliment, je ne sais pas comment ça se passe exactement, sur quoi il faut faire, peut-être c'est le tout, j'imagine. Et idem avec la fiole aussi, il a retiré sa propriété d'elle, et dans ce cas-là, il peut la laisser cuire pendant Shabbat. Maintenant, juste pour comprendre maintenant la nécessité d'avoir trois cas de figure, c'est rien, c'est que par rapport à Beth Hillel, il y a chaque fois un chidouche supplémentaire en fait, pour nous apprendre que d'après Beth Hillel, qui nous permet qu'il n'y a pas d'interdit de Shvitat Kelim, qu'il n'y a pas du tout d'interdit de laisser ses ustensiles faire un travail. Alors le dernier cas d'abord, il y a un chidouche encore plus grand que même si cette fois-ci, regardez, l'ustensile devient actif. Jusqu'à maintenant, les ustensiles ils étaient passifs. C'est-à-dire, on a mis de la laine dans le chaudron avec de la couleur et ça se fixe tout seul. Il n'y a plus d'activité. Alors que le piège, ça peut être une sorte d'attrape-souris, c'est quelque chose qui va faire une action, qui va se refermer lorsqu'il va rentrer. Alors là, il y a une action qui est plus grande. J'aurais pu croire que cette fois-ci, Beth Hillel aurait interdit. La Mishnah avait eu besoin de me dire non, c'est pas interdit. Et par rapport au cas du chaudron, alors on aurait pu croire que malgré tout, Beth Hillel allait interdire à cause de l'interdit
d'attiser ou à cause de l'interdit de mettre le coup de cuillère comme ce qu'on a expliqué. Et en fait, la Mishnah veut nous dire, sache que Bethilel te permet parce qu'il y a des solutions de retirer du feu et puis de bien fermer le chaudron de manière à ce que tu ne vas plus pouvoir l'ouvrir machinalement. Sans ça, qu'il y a eu un chidouche supplémentaire. C'est pour ça qu'il a fallu répéter trois fois le même principe de la marloquette. De manière générale, on ne répète pas une même marloquette en exprimant sous différents cas de figure. C'est une lourdeur pas talmudiste du tout. D'accord? Donc il faut à chaque fois expliquer pourquoi il y a eu un chidouche supplémentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakol. Tout, c'est là.